Hello les gars, c'est Phrase du 15, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça pète vraiment la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo très 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 originale les gars, j'y ai pensé il y a quelques jours. Je vous explique un peu le concept, en fait j'ai préparé pour vous quelques mélanges de joueurs. J'ai préparé pour cet épisode 4 mélanges, et c'est à vous de dire voilà, s'il faudra continuer les épisodes ou pas, parce que sinon on fera un seul épisode si ça ne vous plaît pas trop. Sinon, si vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires, comme ça je le saurai et voilà, je ferai d'autres épisodes. Bon bref, voilà les gars, je vous explique un peu le concept. Bah, au fait, je prépare pour vous 4 mélanges et ce sera à vous de deviner à quel joueur appartiennent les apparences que je vous montrerai après. Il y aura aussi un système de points, voilà, ça dépendra de ce que vous trouverez. Par exemple, si vous trouvez la bouche, vous aurez un point parfois. Si vous trouvez les yeux, ça sera 2 points. Bref les gars, ça dépendra d'après. Bon voilà, on commence dès maintenant. Avec le premier mélange. Pour ce premier mélange, je vous dis, la tête, c'est celle de Léo Messi. À vous de trouver la bouche. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Alors les gars, c'était celle de Cristiano Ronaldo. Oui les gars, regardez la photo devant vous. C'était celle de Ronaldo. Alors, voilà pour ceux qui ont trouvé GG à eux. Ils ont un point, voilà. Mettez-le voilà, dans un carnet, n'importe quoi, même dans votre tête. Voilà, alors vous aurez un point. Bien joué. On passe directement au deuxième mélange. Voilà, il y a deux joueurs. La coiffure plus la tête. Alors, un point à celui qui trouvera la tête. Et un point à celui qui trouvera la coiffure. Alors voilà, je vous laisse 5 secondes pour trouver la tête d'abord. Alors voilà les gars, la tête c'était celle de Mario Balotelli. Voilà les gars, j'ai déjà celui qui a trouvé. Maintenant je vous laisse deviner à quel joueur appartient la coiffure. Voilà, je vous laisse 5 secondes. Alors la coiffure appartient à Paul Pogba les gars. Voilà, il est assez connu. Voilà, c'était assez facile. On a commencé très doucement. On passe directement au troisième mélange. Ici, il y a 4 points à gagner. Un point à celui qui trouvera la tête. Un point à celui qui trouvera les cheveux. Et 2 points à celui qui trouvera les yeux. Voilà, petit indice de ma part. Les 3 joueurs sont des joueurs du Bayern. Alors d'abord, vous allez commencer par trouver la tête. Voilà, je vous laisse 5 secondes. Alors la tête, c'était celle de Arjen Robben, bien sûr. GG à ceux qui l'ont trouvé. Maintenant, je vous laisse deviner à qui appartiennent les cheveux. Et oui, les cheveux appartiennent à Mario Götze, oui c'est un autre joueur du Bayern Munich. Comme je vous l'avais dit, 3 joueurs appartiennent au Bayern Munich. Maintenant il y aura 2 points à gagner à celui qui trouvera à qui appartiennent les yeux. Voilà les gars, je vous laisse 5 secondes, c'est aussi un joueur du Bayern comme j'avais dit au début. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Les yeux, c'était bien sûr de Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich. C'était pas évident du tout. Gros GG à ceux qui l'ont trouvé. Je le répète, si vous avez trouvé les yeux, vous remportez 2 points. Voilà, les cheveux 1 point et la tête aussi 1 point. Sincèrement, bravo à ceux qui ont trouvé les 3 les 3 apparences. Voilà. On passe directement au quatrième mélange. Il y a dans ce mélange 3 points à gagner. 1 point si vous devinez la tête. 1 point si vous devinez la bouche. Voilà, il est connu, ce joueur là il est connu pour ça. Et 1 point si vous devinez les yeux. Alors je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner la tête d'abord. Alors la tête, c'était bien sûr celle de Robert Lewandowski les gars. Voilà, c'était assez facile à deviner aussi. Maintenant voilà, les dents, c'est voilà, c'est aussi facile. Je vous laisse aussi 5 secondes pour y réfléchir. Alors la bouche, c'était celle de Franck Ribéry. Voilà, il est connu pour sa bouche. Si vous avez trouvé une seule de ces deux réponses, vous avez juste 1 point. On passe directement à la troisième apparence. Et voilà un petit indice de ma part. Ce joueur-là, c'est un ancien joueur du FC Barcelone. Voilà, il était milieu de terrain. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Les yeux, bien sûr, sont ceux de Xavi Hernandez, le maestro du FC Barcelone, enfin l'ancien maestro du FC Barcelone. Alors voilà les gars, si vous avez trouvé les 3 réponses dans ce mélange, vous avez gagné 3 points. Voilà, maintenant vous faites la somme des points que vous avez gagnés et vous les postez dans les commentaires si vous voulez. Alors les gars, si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. C'était Phrase 15 les gars, ciao tout le monde.